Bonjour à tous, c'est Samuel Magne. Alors, ouverture Pokémon, hein, booster box. Et là, on aura 8 boosters. Hein. On avait dit Pokémon par Pokémon. Et il nous reste 3 Pokémon à faire. Je prends même... On ouvre direct avec 20 secondes de suite. Mais ils sont très durs à ouvrir. Et j'ai hâte d'avoir de cartes rares. Trainer, Ponyta. Oh, elle brille. Moi, je garde celle qui brille. Kakuna, elle brille. Trainer. Oh, elle est direct. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà. Attendez. Oui, je l'ai déjà. Et si elle brillait, je l'aurais gardée. Donc, on va le mettre dans celle qu'on s'en fout. Mais je l'ai déjà. De toute façon, celle qui brille, je vais la mettre là-bas. En vrai, c'est très dur d'ouvrir ces packs. Nidro. Aussi. Mew. Trainer. Starry. Imaginez, on a un dragon feu. Pika, Pika! Pika holographique. Oh! Et oui, je suis déguisée en Pikachu. Mais elles sont trop bonnes. J'ai eu un dragon feu, quoi. Et puis, 4 cartes qui brillent. Bon, en vrai, j'aime bien ouvrir des cartes Pokémon. Là, maintenant, je suis obsédée par les cartes Pokémon. C'est... Ah bah attends. Voilà, pour ouvrir par là. Et puis, bah voilà. Mais quand j'aurai plus de cartes Pokémon, j'en aurai plus. Pas de cartes rares, dommage. Mais moi, j'aime bien être avec vous, ouvrir des cartes Pokémon, quoi. C'est nice. Même si ça coûte hyper cher, des booster box évolution. Mais ça vaut le coup. Magikarp, c'est mon Pokémon préféré, quoi. Oh, celui-là, c'est l'évolution de Magikarp. C'est pour ça que c'est mon préféré. Attends, puis. Ok. On n'a pas eu d'énergie, là. Oh, encore une rare. Ça, elle brille, c'est une IX. Moi, je garde. C'est comme Charizard. C'est une évolution méga en plus de Charizard. De toute façon, il peut y avoir des... C'est des premières éditions, hein. Oui, première édition. Non, je rigole, c'est pas des premières éditions. Faudrait être malade. Ok, trainer. Et elle brille de ouf. Énergie, bah enfin. En fait, ça, c'était la Weavers. Elle brille. Et je ne l'ai pas. Mais en vrai, c'est quoi ces packs de ouf? Elle brille pas, mais c'est des rats. Mais des packs de ouf, en fait, que je suis en train d'ouvrir, là. Et ça fait 3 minutes. On a déjà 4 cartes. L'autre fois, c'était 3. Ouais. Non, on s'en reste 2, ça passe tellement vite. Par contre là, ils sont devenus encore plus durs à ouvrir. Je ouvre dans le mauvais sens. Elle brille. Oh, elle brille. Je veux tellement remplir mon cartable. Et voilà. Parce qu'en fait, j'ai un cartable pour mes rares et un cartable pour celles qui brillent. Ok, 2 boosters, ça va tellement vite. En vrai, je suis déçue parce qu'on est en train d'user des boosters. On n'est pas encore riche parce que j'ai eu l'évolution de Charizard hyper riche. Énergie. Pas de rare. Sans le cramer. Hein. On dirait que ça sent le cramer. Hein. Mais c'est impossible que ça sente le cramer. Il n'y a pas de fumée. À part, c'est peut-être les haut-parleurs que j'ai installés hier qui peuvent faire de la fumée. Énergie psychique. Oh, énergie. Magikarp. Donc en fait, on a les deux évolutions qui brillent, Pokémon préférés.
J'espère que ça vous avez aimé cette vidéo. Plus longue de ce que je pensais, hein. J'ai ouvert de tonnes de cartes. Et bah, je suis bien satisfait, hein. Parce qu'on a une carte qui coûte au moins dans les 200 euros, hein. Mais ça me ferait plaisir d'être riche avec ça. Mais vous savez, il y en a qui disent que c'est des bouts de carton. Des bouts de carton très très vieux, les évolutions. C'est pour ça que ça coûte entre 1000 euros. Hein. Si vous faites un pack, ça coûte entre 26,99. Ça fait 26,99 fois 36, parce qu'il y a nombre de packs dedans. T'arrives entre 971 euros. C'est assez cher. Et il y en a même qui montent entre 10 000 euros pour un booster box. Je les comprenne. Hein. Il peut y avoir la carte Charizard qui coûte entre des milliers d'euros. Mais je suis satisfait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À plus!